J'aurais voulu être un artiste. Ce sont des tubes que tout le monde connaît, alors forcément côté coulisses, les artistes qui les interprètent sont encore sur un petit nuage. À chaque fois qu'on sort de scène, on se dit genre, donc je viens de chanter cette chanson que j'écoute depuis que j'ai 5 ans et je viens de note très bien. Il y a une partie du cerveau qui y croit pas trop. C'est un pur bonheur. Dans les villes de l'an 2000, la vie était bien plus facile. Elle n'était pas née quand Starmania est sortie en 1979 et c'est grâce aux réseaux sociaux que Lilia est aujourd'hui l'une des têtes d'affiche du spectacle. Je comptais même pas faire de la scène de base, je suis pianiste et je vois mon ombre passer quelque part et je vois cette silhouette avec la perruque et les épaules comme ça, la taille fine et je me dis ah ouais, elle est cool Crystal. On se déteste, on se déchire. 3 ans de travail et 120 personnes sur scène pour faire revivre cet opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon. Comme ça ? Ouais. Et ça te plaît ? Ouais, ça me plaît. Eh ben alors, mets-la. Une histoire incroyable, des enjeux très forts, des personnages très puissants, un univers à déployer scénographiquement qui est passionnant. C'est un rêve que j'avais même pas osé faire. Tu ne choisis pas Starmania, c'est Starmania qui te choisit. Depuis sa création, 6 millions de personnes ont déjà parcouru les rues de Monopolis. Cette nouvelle version décoiffante propose un nouveau voyage inoubliable aux côtés de ses personnages au destin fragile. Mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute.